Je m'appelle Elsa Boulet, je suis docteur en sociologie. J'ai soutenu l'année dernière une thèse intitulée « Espace et temps de la production d'enfants, sociologie des grossesses ordinaires ». C'est une recherche de sociologie que j'ai menée sur plusieurs années en réalisant des entretiens avec des femmes enceintes au fil de leur grossesse et aussi en allant observer dans des maternités hospitalières comment se faisait le suivi médical au quotidien. Dans cette thèse, j'ai interrogé la grossesse non pas comme un phénomène naturel ou biologique qui se ferait entre guillemets tout seul, mais bien comme une activité qui est sociale, donc qui est encadrée par des institutions, par exemple l'hôpital, qui est encadrée par des normes, par exemple la norme du couple hétérosexuel. Et je me suis intéressée au déploiement de cette activité que constitue la grossesse dans différentes sphères, que ce soit la sphère médicale en analysant le parcours de suivi médical de grossesse, la sphère domestique aussi, en m'interrogeant sur ce que changeait la grossesse finalement dans l'organisation du travail ménager. Est-ce que les femmes peuvent déléguer plus facilement les tâches ménagères que d'habitude quand elles sont enceintes? Et je me suis aussi intéressée au domaine du travail salarié, en m'intéressant aux conditions de travail des femmes enceintes. Est-ce qu'elles pouvaient, par exemple, facilement annoncer leur état de grossesse? Qu'est-ce que ça provoquait comme réaction de la part de leurs collègues ou de leurs supérieurs? Et est-ce qu'elles arrivaient à obtenir des aménagements pendant leur grossesse? Donc voilà, c'est un ensemble de questions que j'ai travaillées pour cette thèse, et je suis très heureuse d'avoir reçu le prix de l'Institut du genre.